Notre Père Céleste, nous disons merci aux paroles. Merci Seigneur que Saint-Esprit ou te gétan scellé nous pour le salut. Mon Père était là. Ou te balancer l'Esprit, Seigneur, comme yon, pour nous capables remplir, pour nous capables venir des témoins fidèles pour nous-mêmes, comme yon puissance, yon force. Mon Père était là toujours. Non seulement c'est l'Esprit habite nous, c'est l'Esprit qui vient sur nous-mêmes pour équiper nous. Pour mariage nous, pour ministère nous, pour travail nous, pour l'école nous, pour toute activité nous, mais on pas arrêter là pour nos paroles, constitution ça qui montre nous que j'ai besoin de vivre nous, et on pas arrêter là toujours, on va dans une autre l'amour fraternel, aidez nos Seigneur pour nous jouir de privilèges ça pendant que nous sommes sur terre ça, jusqu'à ce que nous well dans l'éternité bienheureuse. Mais si quelqu'un dans salle là qui peut faire la paix avec le Seigneur, qui peut jouir ça que nous avons dit là, qui peut comprendre ça que nous avons dit là, nous connaissons que c'est l'esprit avec mon ça qu'on a convaincre de péché, de justice et de jugement. A faire connaître que le Seigneur, il n'a pas connaître qu'il que l'a respiré des dieux souffle. Mais s'il fait la paix avec eux, il y a un avenir qui est assuré. Et si il y a un monde, un monde comme ça, dans la salle, dans le Seigneur, qui peut faire la paix avec eux, on va convaincre dans le moment ça. Pour admettre que c'est des pécheurs et pour croire que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le payer des péchés. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour pour le bailler la vie qui va jamais finir. Et croyant ça, ou promettre, croyant ça, à sauver eux. Et on va sceller eux, même gens avec nous, pour le salut. Et on va, Seigneur, bah, yo, onction, c'est l'esprit, yo, pour équiper eux, pour la vie difficile, ça, qu'on a vécu dans le pays, ça. C'est pour y aller, nous prions, dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous devons Daniel, ça, c'est deux parties, bah, oui. On partit parler de la vie de Daniel. Et une deuxième partie qui, c'est prophétie, yo. Donc, nous avons la première partie en deux jours, qui a parlé de la vie de Daniel et la vie de Zami Daniel, yo, qui était allé en Babylone en captivité avec lui. Je dis en après que Daniel, pendant l'histoire du tout, théologien a spéculé un peu sur pour qui ça Daniel pas là. Non, bon, ne pas connaître vraiment, oui. Mais Daniel a un gros job dans le gouvernement, songez ça, après chapitre 2, il était un gros job dans le gouvernement. Et chapitre 3, et pas tout de suite que l'histoire ça a fait. C'est entre 16 à 20 ans qui est passé, de chapitre 2 à chapitre 3, qui est entre 16 à 20 ans qui est écoulé. Donc Daniel vient équivalent de un premier ministre à Babylone. Donc il est venu en pile activité. Donc, assurément, monsieur Katé en voyage, le bagage ça vient de passer que nous allons lire dans Daniel chapitre 3. Alors, nous lisons chapitre 3, verset 1 à 3 pour nous commencer. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. 60 coudées, c'est environ 90 pieds que l'il y a. Donc, nous avons une idée. C'est environ, yon coudée, c'est environ 1 pied et demi que l'il y a. Donc, par exemple, Kemdadil, en tout cas, c'est environ 1 pied et demi que yon coudée. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Pendant qu'on a parlé de Dura, zone ça a toujours existé. Zone ça a créé Dura, il a toujours existé. Et dans le 20e siècle, ça a passé là, il y a une excavation qui fait, ça veut dire fouille. On prend qui fait, côté ils ont découvert, ils ont une grosse plateforme, comme si c'était en bataille, comme si ils ont un gros bagage qui fait un mu, qui environ 20 coudées. C'est 20 coudées, je crois. On voit en tout cas presque moitié dans 90 pieds que nous avons dit, qui est hauteur moitié, ça, environ 45 pieds. Que je ne vais pas qui gros. Donc, je pensais que statue, c'est sous l'île. Tout 90 pieds, hein, 90 pieds, ou en pile. Je pensais que statue, pas tout 90 pieds. Presque moitié là-dedans, c'était côté que l'opposé, hein, base côté que l'opposé, hein, et puis reste 45 pieds, hein, c'était statue les mêmes. Donc, 90 pieds, c'est moyen environ. Presque 6 pieds, je ne fais pas 6 pieds net. Presque 6 pieds. Donc, vous pouvez imaginer 90 comme un lieu. Ok. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Songez, après chapitre 2, hein, ou a été honoré Daniel avec Zamelio. Daniel devait être sous tête royaume, non? Après, roi, il est premier ministre. Mais monsieur Zamelio lui-même était sous tête l'autre ville, yo, province, yo, l'autre région. Yo. Donc, monsieur, ça a été sous tête toute nègre, ça a été là.
Donc, pour nous comprendre, ça va le passer, jalousie qui va le fait là, qui fait que vous allez laisser truquer, monsieur. Verset 3. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Premier, ça qu'on va apprendre, c'est que, songez dans le chapitre précédent, Daniel, le divin interprété revoit, roi devine admettre que bon Dieu, Daniel, c'est le Dieu des dieux. C'est lui-même qui est Dieu créateur, c'est lui-même qui est le roi des rois. Pourtant, ça passe ça que nous lisons là, à travers ça, on montre nous que son connaissance intellectuelle qu'elle dit, il est beaucoup pénétré que. S'il te pénétré que, M. Baral font leur statut qu'on y a ou l'adorer. S'il te connaît son seul vrai Dieu gain. Il t'a juste servi, donc il n'est pas croire. Il est une connaissance intellectuelle. Ça veut dire qu'il est dans la tête, mais il ne peut pas pénétrer le cœur. Tout le temps, il ne peut pas pénétrer le cœur, il ne peut pas. Même j'ai un bravo, toi. Quand on ne peut pas avoir appelé dans la Bible, nous pensons que nous croyons, mais nous ne croyons pas. Comme si nous admettons, nous d'accord que son histoire, oui, c'est un monde qui a fait ça, vraiment. Mais nous ne pouvons pas penser nous-mêmes que bon Dieu est capable de faire même mal à la vie. Si moi, ma voix, tu es capable de croire ça que nous avons appelé dans la Bible, vis nous avons une vie extraordinaire. Parce que nous avons envie de foi. Mais nous avons un ratement toujours. Nous avons une inquiétude. Non, pas finalement. Bon, je dis que ça, ce que la foi, un petit grain de s'élever, ou un petit mental enlevé. Comme si c'était une théorie. Mais on se comprend, non? Et comme si c'était une théorie liée. Et pourtant, ce n'est pas une théorie. Nous avons un peu de monde qui fait. Pierre fait des choses extraordinaires pour ça. Parce que M. Thérèse m'a essayé. M. Thérèse m'a essayé. Il a essayé si au-dessus de l'eau, il fait marcher tout. Bah oui, il a marché. L'aile douter, la français, mais au moins, il y a une expérience, il marche sur de l'eau. Il y a des gens qui m'ont risqué. Il y a un grand frère qui m'ont risqué en pile. Depuis le petit monde, il a toujours testé tout le bagage. Mais il pense que son bon attitude, il a testé. C'est vrai, ça va faire. Donc, les gens qui viennent ici, ils ont toujours testé. Ils ont dit, souvent, ils ont manchette avec un grain de sel, ou mettre un grain de sel dans mon cabinet, manchette là, avec un grain de sel là, pour longer le bas en ciel, la couper bras. Ils ont dit, oh, bah, ouais, bah, ça. Monsieur prend un grain de sel, il prend une manchette, il dit à Kansel, fais-moi. Monsieur dit, oh, les jeunes, il va y aller. Tout ça qu'il dit, il essaie le pour lui, ouais. Ou qu'il prend un chaud, on l'a, ouais. Mais il essaie pour regarder si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Donc, roi, pas de quoi bagaille ça, vraiment. Non, on rappelle, non, ça nous était dans le chapitre 2, hein, qui ça nous dit, nous te font, nous te statue, hein, ah ouais. Nous allons passer sur les tellement tout détail dans la statue, mais nous gagnons sur l'écran pour même. Statue a été montré que bon Dieu te baille roi Nebuchadnezzar à travers Daniel. Toute prophétie pour le monde entier, l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde qui résume là. Bon Dieu fait qu'on ait plusieurs royaumes qui pourraient l'établir après le royaume Pala. Jusqu'à ce que la fin du monde arrive pour Jésus-Christ prend contrôle tout ça qu'a fait. Premièrement, lui dire que tête là c'était Nebuchadnezzar lui-même avec l'empire babylonien qui t'a brillé, il c'est même qui tête là. Donc monsieur était en position, il était un grand roi vraiment vrai. Babylone était un empire extraordinaire. Deux ans dans l'histoire du monde, grand empire qui venait qui gouvernait le monde la net. Donc dans l'époque ça, c'était Babylone qui était prend contrôle le monde entier. Il dit après ça, nous pas gagner. L'empire médo-perse, Perse, il n'est pas dit le concernant la Bible, non, mais l'histoire vient de faire nous connaître qu'il y a monde qui vient après Babylone, c'était médo-perse, c'est eux-mêmes qui poitrine, qui en argent. Donc, au fur et à mesure, c'est comme si le royaume qui vient, il y a moins d'importance en termes de pouvoir que vous avez sur le monde que l'autre. C'est pas en termes de l'argent, non? Il y a un royaume qui vient après Babylone, qui a plus de scope que Babylone, qui a même conquis plus de territoire dans le monde. Mais les gens qui sont sous tête du royaume, ça n'ont pas le même pouvoir que le roi Babylone n'a pas gagné lui-même. Par exemple, nous disons deuxièmement, c'est Médo-Persio. Médo-Persio, il y a plusieurs gens qui ont dirigé, même le grand roi sous tête, mais comme si il y a pile de gens qui ont droit au chapitre. Nous parlons avant Daniel fini, nous parlons du gouvernement qui a changé. Pour le tomber sous monsieur ça comme ça émerger les mèdes, il va commencer à émerger et nous parlons que gain le grand décision qui prend caldéen avec mèdes leur prend décision roi pas canek dit bon m'a fait ça me non fort roi obligé appliquer la loi mais comprendre non mais Babylone roi ça pas gain pour appliquer fait ça le comprendre
Il prend les faire salver, les craser, les briser, pas gagner pour le respecter. Au fur et à mesure, il y a une sorte de démocratie qui va l'établir dans le royaume, une après l'autre, jusqu'à ce que la démocratie vienne établir net, que c'est la loi du peuple. Donc, au fur et à mesure, le royaume a perdu l'autorité que le leader principal dans les mêmes que les gagnants là-dedans. Troisièmement, c'est des bronzes là, qui c'est, que nous avons, c'est l'Empire grec, qui c'est toute partie ça. C'est l'Empire grec. L'Empire grec, c'est ça que nous avons philosophie, nous avons pile belle bagaille, mais après tout, que tu as une pile influence érudite, ce qui est fort sur ce qui a fait dans le gouvernement. Donc, roi a perdu un peu dans le pouvoir, dans la puissance. Et après ça, nous avons fait là, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, nous allons voir, c'est pour la première fois, par le Sénat qui introduit dans le gouvernement. On va à Rome de Sénat, même si on a un Sénat qu'on a dans le pays dans le monde, dans tout ça, nous capable de dire un système république, un Sénat. Ça veut dire gouvernement, ce n'est pas dans mon seul monde lié, ce n'est pas dans mes présidents seulement, mais Sénat a une voix au chapitre. Même dans la pratique, bah, on ne pas comme ça, mais normalement, depuis qu'on Sénat, c'est lui-même qui a fait loi. Le président, quelqu'un va proposer une loi, mais le président n'a pas fait loi. C'est Sénat, avec la Chambre des députés, qui a fait loi. Et le président, lui-même, c'est exécuter, ça, monsieur dit. Donc, nous connaissons que l'Empire romain était gouverné par le Sénat. Et il y a un Sénat qui était très, très puissant. Le parrain Ménoua, il y a un genre, il y a assassiné, et puis il y a un sénateur qui prend place. Après ça, nous avons gagné l'Empire, nous connaissons faire et agir là. Théologiens pensent que c'est l'Empire romain qui poursuit toujours, qui vient perdre du pouvoir, qui ne vient pas vraiment camper sur grand-chose. Mais puisque nous vivons la dernière époque, nous ne sommes pas finis clair, nous sommes flous sous les. Nous va faire clair comme si l'Empire romain qui vient faire avec Agilan, c'est qu'on y allait, et pas tout théologien qui pensait ça. Puis le théologien pensait que l'Empire romain qui est en forme n'a fini, il y a un de grâce qui est publié, Jean-Jésus-Christ te dit. Jésus-Christ, là, devient un temple, il te dit ça. Il dit, moi, publié un de grâce. Ça veut dire qu'on y a époque que nous vivons là, époque là, Jésus dit, c'est par grâce que nous sauvons là. C'est comme si pas gagné aucun empire qui l'a connu. D'après théologien, que l'Empire romain pourra le reconstituer encore. Bien que l'Empire romain pas jamais fini net, non, il n'est pas jamais fini net. Parce que il y a une emprise qui fait avec que tu mettais sous l'Église catholique, il y a une main sous l'Église catholique jusqu'à maintenant, qui est à Rome, il y a comme si il y a un pouvoir sur tout pays qui gagne connu là. D'après des jeudi, on s'est sur la télévision, on a que c'est un gros leader catholique qui a fait ça nous est arbitrage entre gouvernement haïtien et sénat. Il y a toujours un pouvoir, on prend quand même dans tout pays. Il y a l'école dans tout pays, il y a l'université dans tout pays, il y a l'hôpital dans tout pays, il y a un paquet de bagages dans tout pays. Donc, on pouvoir qu'il a toujours, mais pouvoir pas vraiment campé solide. Mais quand l'heure qui peut arriver, d'après les théologiens, pouvoir ça pas le recamper encore. C'est pour ça que nous disons tout le bagage ça. C'est parce que nous connaissons la fin, quand le bagage pas arriver. Nous avons dans le chapitre 2 que qu'on roche, le roc séculaire, le rocher. C'est Jésus-Christ qui va venir, qui crase les statues, tout le bagage fini, c'est lui-même qui prend contrôle. Mais nous disons tout le bagage ça pour nous rappeler que tête là, qui mettait l'alcool de faire encore, si vous songez, était l'or, oui. Mais quand il y a Nebuchadnezzar fait une statue, à qui ça le fait, quand il y a tout corps, c'est qui ça? C'est l'or. Ce bon message là, il montre que non, pas un bout dans le pouvoir qui va le finir pour un autre monde découvrir, pour un autre monde prendre contrôle. Moi-même, non. Si c'est moins que vous n'êtes pas loi, eh bien moi-même c'est moins que vous n'êtes, c'est moins fini là même, c'est moins tout. Et c'est message ça que la belle là. Et le monde connaît plus venir adorer ça, tu ça. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord que pouvoir le langage pour le finir, pour l'autre pouvoir venir prendre contrôle. Pour lui-même, loi, c'est tout quoi, c'est tout statut. En pile théologien, pensait tout que 45 pieds que l'Éthiopien pas tout fait en or. Parce que dans un pilote écrit, nous allons passer sur ce qu'on y a maintenant, un pilote écrit dans Esaïe, dans Ézéchiel, un pilote fois, il y a décrit, il y a un bagage qui fait en or, mais c'est couvrir en or. En général, c'est un bois qui fait, puis il couvre en or, puis il dit en or. Donc, je pense que tu as trois blocs dans ce statut pour 45 pieds. Imaginez-moi presque 6 pieds. Pour avoir 45 pieds de hauteur, même les plateformes n'ont été moitié dans 90 pieds, hein, mais 45 pieds en pile toujours. Pour avoir un gros bagage qui a 6 pieds de largeur, ça veut dire largeur statue, hein, c'est tout le hauteur. Si nous accouchons comme ça, c'est largeur statue. Hein. Ça tape en pile là. Donc, je pensais que il était couvert il y en a. Mais n'empêche que le message là, pour Nebuchadnezzar, c'est que les papes pensaient lui-même que l'empire parlant, tu n'as pas prendre fin, j'abandonne Dieu, dis-le. Et c'est capable de réalité en pile monde.
gen moun la ki pa jam pense ki ap mouri an genou ya wè ou konn ap mouri men ou pa pense ba comme ça ou pa pense avèt ou pa pense que statistique la dit que tout moun ap mouri men gen moun ka vive comme si pa jam mouri ya wè ça crache brisé yo fait de fait mais faut qu'on pense avec pareil ça ou konn un jour que ou gen pou pran fin au moins encadré à la chair. Mais qui ça va passer après ça? Je t'allais à grand monde qui a parlé, me monde l'a évangélisé, qui a parlé dans bonne qualité causée. Depuis mon Dieu, ça me dit, je vais même réponse là. Depuis qu'on a évangélisé mon monde, on a parlé toute qualité causée à gauche, à droite, toute question. Et pour dire, bon, moi-même, pas qu'on a pas ça. Mais ça me donne mes besoins comme question. Les yeux fermés, l'homme, oui, ça qu'a fait pour. Donc, ça, c'est une grosse question là. Nous avons un leader, bien avec les leaders dans la foi Bahaï. Mais on se connaît foi Bahaï. Il y a un pile en Haïti. Foi Bahaï, c'est un groupe monde qui dit que c'est chrétien. Mais ils croient que Jésus-Christ retournait déjà. Ils ont une bonne théorie, tête chargée. J'ai toujours fait discussion avec eux. Le MBC a présenté la Bible, il n'est pas d'accord. Je dis, monsieur, bon, on dit qu'on fait discussion. Je dis, monsieur, on pose tête en question. L'homme où il sera fait. Je me suis réfléchi, je lui ai dit, bon, je connais. Je dis, monsieur, ben, c'est différent ça entre moi-même et vous-même. Moi-même, je connais exactement le mot que maître a venu chercher. Est-ce que. Ou poser telle question ça. Ou bien penser même avec des bicades que on prend ou avis jusqu'à ce qu'on va arriver. En plus on penser ou avis jusqu'à ce qu'on maladie mette pied, jusqu'à ce qu'on crise dans la vie mette pied. C'est pas les crises dans mette pied pour ça m'a réfléchi on c'est le regard depuis qu'on y a bon Dieu il faut qu'on ait. Parce que la crise dans mette pied t'es de chaud là ça, hein, c'est pas préparé. Mais l'on préparé comme si on relax parce que vous t'êtes préparé pour ça. Bon Dieu t'es fait un travail avec cœur déjà. Est-ce que parole que Daniel t'a dit ouais te dit ouais pardon depuis 4 mois là est-ce que il te fait sens pour lui non il va te faire sens est-ce que parole ça nous va parler jeudi en tout est-ce qu'il fait sens il va pas faire sens pour que Jésus-Christ est venu mourir pour même 2000 ans de ça et pour devenir payer dette péché il était ressuscité le troisième jour ou qu'attendez mais il va vraiment faire sens s'il va faire sens pour bon côté arriver dans la voie même j'avais depuis 4 mois ou bâti propre statue pour ou comme ça ou va des idoles pas idole pas capable en statue en fer ou bien en métal ou bien en l'or pour le basier. Mais le cas, course de l'argent, course de ceci, course de carrière, course de yon moun tou. Yon moun, course de tout, wap kou de tout bagay nan moun sa. Des choses temporaires qui peuvent réaliser yon pour. Mais si parole, l'évangile n'a pas pénétré, c'est même j'en avec depuis le Kadneza que vous pouvez le faire tout. Gan moun kap dire, depuis longtemps, de Jésus qui s'ap tourne, nous rendez-vous la Bible ça. Pourquoi j'en moule tourne? Et puis, vous pas connaître que la Bible écrit ça. La Bible dit, gan moun kap dit, la Bible qui t'en parle de yon déjà. Et par exemple, quand que la Bible dit dans Pierre, que il y a un monde qui a dit, depuis que Jésus dit, je connais pour ça que je revenir parce que je suis patient envers le monde qui peut me sauver. Donc, on lui a posé cette question, ça, ou mettre bon Dieu la vie, ou plutôt parce que bon Dieu, il est même, il est patient envers eux-mêmes. Verset 4 dit non, Daniel 3, verset 4. Un héros cria à haute voix. Ça, c'est un monde qui a soit un clé en main, ou bien un porte-voix. Voici ce qu'on donne, ce qu'on vous ordonne, pardon. Peuple, nation, homme de toute langue. Songez, c'était une société, un terme qui est un terme en général, dit cosmopolite. Ça veut dire que toute qualité monde, c'est quoi New York, vous prenez un pays quoi New York, quoi Californie, tout le Californie, toute qualité monde, toute qualité langue, toute qualité, on prend chinois, arabe, haïtien, tout le monde brassé. C'est comme ça qu'elle était dans la première puissance mondiale à l'époque. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Depuis ça dit là seulement, chapitre 5, verset 5 là, il y a un monde là, si la musique ça a débarqué là, c'est bien fini. J'ai essayé de me danser. Musique ça a débarqué là, trompette, chalumeau, guitare, sambuc, salterion, cornemuse, tout ça c'est instrument avant que oui. Et puis mais guitare tout. Et puis il dit donc toutes sortes d'instruments de musique. Ça veut dire tambour mettez pied, cha cha, tout calte bagaille quand fait musique là. Au moment là, l'opposé de devant ça dit ça ou pas connait non. Mais on se comprend. Gain on sait de bande qui qu'on a passé, on sait de mon l'aime habiter la ville, l'aime des jeunes, si mon activité c'est la ville de la musique la passe là, gen moun kan ap gade, moun kan ap gade sou d'autre an ou curieux, men gen quel jeune moment là ou rentre, ba lan rale yo, y aller, mi bonne la pati avec yo, et là li vont côté loin que lagé yo, yo sou nan bagala. Donc,
Je dis ça pour qui ça? Connais phénomène ça là juste qu'on y a. Moi même musique en pile. Depuis petit moi même musique. Je fais une famille chrétienne côté son seul radio que tu connais de la caille moi, radio lumière. Mais demain on pas là. Ciao, nous virer. Tu connais radio télé MBC, pas comme s'il là toujours, pas m'attendre encore. Tu connais ba musique en pile comme pas. Depuis elle virer, ciao virer. Depuis virer là tout le monde danser. Depuis qu'on pas frapper Aïcha danser, bah ouais. Et ça qu'elle dit. Je dis, Haïtien, protestant qui est sur la loi, Bible dans mais eux-mêmes, il va se danser. Mais bah là, tellement bon, je dis, ok, Bible tellement dit, ouais, toute Bible bossue. Ouais, tout comme ça. Et quel bel Dieu, Seigneur, bonne force, je résiste. Là, c'est, bah là, dans son, toute Bible bossue. Donc, si nous dit que ça a frappé là, nous connaissons là, l'Assemblée, elle dit à tout le monde là, ouais, je ne vais pas faire lever maintenant, mais nous connaissons qui nous est, ouais. Ça me dit, il faut faire attention avec la musique, tout. Les musiques frappées, plus ou moins les musiques sont marquées à triant. Musique côté le sorti. C'est la bonne Dieu le sorti. Donc c'est normal pour les attirer. Mais en pile bagarre qui sont dans le bon Dieu, Satan prend et les virer en l'autre gens. Donc on fait attention. On ne peut pas attendre de musique, non? Nous ne parlons pas de la loi avant de nous mettre sur la carte de musique. C'est vous-même qui vous jugez. Comment nous restons de ce bon Dieu dans nous-mêmes? Quand c'est de musique, on ne peut pas méditer sur eux. Même si on a tout l'autre bagarre, quand c'est de film, on ne peut pas regarder de votre film. Bon, c'est le film où je ne pas encore. Quoi, film diable? Bon, ça me parle. Ça me... Qui business maintenant? C'est mauvais rêve seulement là-bas. Qui sont pas prendre là-dedans? Dis-moi. Seulement mauvais rêve que la bas fait seulement. Un yen encore. Contrarié ou fort paix. On va un petit monde qui n'a qu'à la pas même qu'à garder avant. Bah ouais. On va un petit tête ou faire passer misère pour comme ainsi. Bah, ça, il va régler un yen pour vous. Fais attention avec qui musique quoi regarder. Parce que au cas prochain devant, n'importe bagaille, n'importe qui le là, ça va même connaître qui laisse arriver au même. Verset 6. Son plaisir pour moi, elle est pas dans dimanche soir qu'on a préparé le carnaval. On va annoncer des chats. Pas même des musiciens sur eux-mêmes, non, c'est juste c'est les DJ. Et pour garder mon yo. Comme si au début, ouais, mon yo, ouais, visiblement, peut-être pas là encore. Musique là, allez avec eux. Parce que, ouais, ça qu'a fait sous chat, on a besoin d'écrire là, on va, mais nous, on va. Ça qu'a fait là, ouais, peut-être pas là encore, non. Musique là, qui est parti avec eux déjà. Ils ont fait ça, ouais, avec eux. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ça, c'est le gros problème là. Pour qui ça? Avant, que nous-mêmes entrer dans le fond sujet, hein? Nous connaissons ce qui a passé avant, ils vont confronter les juifs. Mais même avant que nous arrivions là, nous connaissons que la persécution, c'est un qui est très subtil. Nous avons fait chapitre 1er, nous avons dit que la vie est de façon qu'on regarde les choses. Tout événement qui arrive dans la vie, toujours de façon qu'on regarde. Ou qu'on regarde avec les yeux du monde, bah oui, mais qui ça monte là, ouais. Ou bien on regarde avec les yeux de Dieu, les yeux spirituels. J'ai la Bible, ouais, bagaille. Pour un pile monde là, ça qui parle de monsieur que nous parlons tout à l'heure là, il parle de waouh, son problème. Mais si on dit son lutte que lié entre force diable et force bon Dieu, et parce que toute bagarre dans la vie comme ça, hein, ou pas réaliser ça. Il y a un pile monde qui est là dans la rue là, qui a fait mauvais sang sous volant, qui a passé mal devant, motocyclette qui prête pour frapper. Un pile monde, c'est un pile monde possédé, nous comme ça. Et pour même, un peu fois, moi-même tout, nous rentrons dans la logique là, nous avons vu bataille là, nous avons mais ça ouvre l'eau, fait, mais oui. Comment nous voulons pour ne pas honorer bon Dieu, dans la façon ça. Parce que adoration, on a parlé de ça l'autre jour avec, je sais pas avec qui on a parlé de ça, de adoration, c'est pas un bail à nous faire. Bon, c'était dimanche dernier, oui. Samedi, oui. Adoration, c'est pas un bail que nous faisons en musique. Musique, c'est une partie de l'adoration. Adoration, c'est un mode de vie lié, c'est tout de même. Donc, là, on a rien, on apprend Dieu, on va pas adorer bon Dieu, oui. Tout ça qu'on fait, mais ça te rentre là-dedans, il n'est pas vouloir adorer bon Dieu lui-même. Il n'est pas vouloir que le comportement, on a parlé de ça avec les prisonniers, une semaine passée, on dit que en pire fois, moun, ça, moun pense qui bravo, là, et pas ça qui bravo. Parce que ça, monde, là, dit bravo, là, et pas ça, bon Dieu, dit qu'il est bravo. Il y a deux façons pour le bagaille. On dit, monsieur, là, qu'on y a là, on est en prison, là, on est venu, bon soufflet, qui réaction? On va mettre les. Mais ça, n'a pas aucun bravo là-dedans. Ça, tout le monde fait ça, là, oui. Et puis, l'on finit qu'on y a. L'offre de mettre des soufflets, là, qu'on y a un libre, on coupe pour un cassé dedans, ou bien on coupe pour un cassé dedans, et puis nous, tout le monde est dedans. Qui bravo, gagne dans ça, là. On dit bravo, non, c'est le cas campé,
pour calmer nèg ça qui possède pas des mains ça. Ça c'est un gros bagage pour camper calme. Et puis pour calmer monsieur. Jean la Bible dit une parole douce quoi. Calme la fureur. Ça c'est bravo. Ça c'est Jean bon Dieu well. Mais c'est même bagage là. Ça que n'a pas là Satan la donne déjà là. Satan a préparé un piège pour monsieur. Même si Satan a préparé un piège pour retourner, vous connaissez ça? Vous connaissez ça qui vivait là? Gardez le Satan a préparé un piège pour vous avant, nous pas conscients de ça. Nous, ça vivons, nous, blablabla, puis nous prenons un piège là. Lorsqu'on y a, nous venons conscients, nous chita là, nous entrons dans Daniel, nous avons un exemple. Quand y a nous conscients, quand y a pas laissé pire de Gonia pour le reste, vous comprenez, vous voyez? Vous connaissez ça? Nous avons un témoignage, puis devant, bah ouais? Pas ouais, pas laissé. Quand y a conscient de ça, qu'on y a une lutte, on lutte qu'on y a parce qu'on conscient, on pas les prendre et livre monter volume dans qu'on y a. L'elle pas qu'à nous dehors ça le fait. Là train dans la caille. En dans la caille on dit bon, on connait dans la caille même pas qu'à gagner persécution. Madame moi c'est chrétien, Marie moi c'est chrétien, ah ouais. Et c'est l'homme à foi. L'a augmenté volume dans l'âme de la caille là. Founès ça que nous voyons, du fait ça, l'a chauffé le même dans la caille pour la gola dedans. Fais attention, fais attention. Caldéen était très jaloux de monsieur Sao, songez, monsieur Sao était sous tête toute province. Et n'est-ce pas même même culture avec Chaldéen. C'est étranger. Oui. C'est comme Dado. Et même ça avec en Haïti ou bien tout pays. Imaginez pour ta rete en Haïti ou est son Dominicain qui brise dans le pays. Même côté, en grand pile monde connaît là, toute plume sous de nous table levé. Ah oui? Ou mal à l'aise, comme dégâts, quand elle sorti, vivre en place, on va faire. Ça fait tout côté ici. Quelle province malé? Même l'école, directeur l'école, moun qui sort de l'autre pays, pas qu'à venir directeur l'école là, il dit c'est moun terre, ça c'est job pas non. Je ne comprends pas. Donc c'est même ça qui arrive. Monsieur, ouais, monsieur, ça dit juste, des esclaves sortent dans un pays que nous conquérons, ça veut dire un pays qui n'a pas besoin, et c'est nous qui conquérons. Et puis quand il y a monsieur Vini, et puis sous tête nous là, il n'est pas d'accord. Mais tout bagaille mauvais qui a passé dans le cœur, qui moun qui connaît qui a brassé cœur pour faire ça en fait. Satan tout prend ça pour attaquer monsieur parce que monsieur c'est bon diable servi. Mais c'est même pas là pour aujourd'hui en tout. Comme bon monde ça t'a préparé pour là. Ou pas connait ça, mais l'a préparé. L'a préparé dans travail, l'a préparé dans la rue, l'a préparé dans l'école là. L'a préparé pour même. Mais faut pas prendre un piège là. Faut connait Satan fait job bal ou même moi fait job pour honorer bon Dieu avec mode de vie d'adoration pour là. Songez ça. Depuis 4 ans qui utilise une technique que en pile pas utilisé. En pile roi, leur concurrent, il y a un territoire, il y a imposé Dieu par roi. C'est pour adorer Dieu maintenant ou bien un fond avoir. Mais Nebuchadnezzar n'a pas comme ça. Il n'a pas comme ça. Si on a un roi, l'histoire déclaré comme un roi qui était libéral. Libéral veut dire comme si on m'a accepté l'autre bagaille et tout, et pas pas non seulement qui bon. Mais on connaît son danger là. Au moins, si son roi qui était imposé un bagaille, autant connaît que bon bon choix me fait là. Si ou bien, m'était adoré bon Dieu maintenant. Ou bien m'adorer bon Dieu, ça qui est imposé maintenant. Mais le libéral, le plus subtil, quand il fait un mélange, il dit, oh, mais t'adorer bon Dieu, là. Nous, juste devons adorer ça, tout. Mais pas de problème, alors. Laisse ça qu'on y a, ou entre dans le compromis, qu'on y a. Et c'est là que, ou ça voulait aller avec monsieur. Nebuchadnezzar a utilisé technique ça, ou mettre qu'un bon Dieu, mais on adorer ça, tout. Et puis, on relax, on cool, on fait un brassage, on mélange. Dans l'histoire, toujours des leaders qui ont utilisé parole bon Dieu, capitaliser, plateforme, l'église ou bien religion, comme si pour faire intérêt au marché. Pas pendant Pierre Sado. États-Unis, plusieurs gouvernements passés, avant, ils ont fait la campagne, ils ont commencé à contacter toute grande église. Depuis l'église, il y a plus que 10 000 personnes là-dedans, 10 000 membres, en pile de monde qui parlent fait politique, ils ont automatiquement voulu bien avoir. Son piège lié, il y a une église, il y a au podium, puis il y a parler, et comme il dit, c'est un secret, c'est mieux tout. Donc, on nous faisons un brassage, un mélange. Et puis, au moment, il est parti avec l'église. Hein? Il est parti avec les bénédictions de toute qualité compromis, même gens que il a essayé faire pour monsieur ça à Babylone. Il y a un monde qui est très célèbre pour bagaille ça. C'est un jeune garçon qui était jeune garçon, le ça m'a dit, en 1936, il y a un frère qui était le R. Baldur von Chirac. Il y a un von, il y a en Allemagne. Il était un leader jeunesse. Qu'il était leader soi-disant chrétien. Et il était fait une déclaration. Et à partir de déclaration, ça, il était parti dans la politique. Il était venu un grand leader sur un gouvernement nazi, Adolf Hitler. Monsieur lui dit que si nous voulons vivre en tant que vrai Allemand, tout bon vrai, ça veut dire que nous vivons la loi de bon Dieu.
Et ça le grandit jeune. Vous voulez vivre la loi, bon Dieu, vivre comme un frère allemand. Et puis poursuivre, il va arrêter là. Il dit, si nous avons servi Adolf Hitler, ça veut dire que nous avons servi l'Allemagne. Et si nous avons servi l'Allemagne, nous avons servi bon Dieu. Mais on se comprend, non? C'est un mélange. Mais nous pas servi bon Dieu. Mais nous avons servi Hitler, et pays où nous avons servi. Et nous avons servi pays où c'est bon Dieu qui a servi. C'est même pareillement. Et un pile jeune chrétien qui prend un barré ça. Il est devenu des nazis. Il y a des gens qui ont persécuté toute l'autre nation qui a gagné un peau blanc, yeux vêtements, vous comprenez, avec belles cheveux. Allemagne, ça a été. Des bouts sont mauvais blancs, pas blancs. C'est bon blanc, yeux vêtements, bon peau blanc, bon cheveux, belle boinée, autrement, ou pas qu'on peut soigner, ou là pour persécuter, pour tout le même. Et nous connaissons ça qui est arrivé, environ 6 millions de juifs perdu la vie dans la période de Deuxième Guerre mondiale, que c'est Allemand qui a fait bagarre ça. Et en pile, c'est des soi-disant chrétiens qui ont été. Donc, fais un pile attention pour ne pas faire mélange ça. Il y a un pile, mon tour, un pile, en capable de dire, même Jean-Adolf Hitler, parce que fait mon pas adoré. Un pile leader comme ça, jusqu'à maintenant, dans le pays qui est en Nigeria, pays qui est Ghana, jusqu'à maintenant, les deux pays, ils disent c'est les dieux qui placent là. Donc même, c'est un petit Dieu qui en bas, l'autre Dieu, et il y a des gens adorés. Même là, tu n'es pas forcé à faire ça par la loi, mais il y a un brassage qui est toujours fait entre religion, l'État, fais attention, pas mélanger les bagages. Bon Dieu veut transformer, il veut transformer, il veut transformer, il veut mettre dans toute qualité côté dans le pays, ça, pour nous diriger, mais pas pour mélanger. Songez même si vous êtes président du pays, ça, avant qu'on président du pays, ça, ou son chrétien d'abord, songez ça. Et c'est valeur chrétienne qui vous prime dans tout ça qu'on a fait. Songez ça. Nous parlons que M. Daniel, il va aller faire face à une situation difficile. Côté carrière en jeu, non bon, avec toute la vie, carrière, Dieu vous parle qui est important pour moi, avoir, oui. La vie, non. Et carrière, non. Tout le débat qui est en jeu, et puis qui est dans l'autre bord, pour vous dénier, bon Dieu. Ou bien, vous perdez tout le débat, vous perdez le job, vous perdez la vie, vous comprenez? Ou bien, pardon, ou bien pour choisir, pour honorer bon Dieu. You know Lord. Qui sera choisi? C'est facile pour nous lire ça là, pendant que nous parlons de l'île. C'est facile pour moi avoir pour nous lire. Pour nous, waouh, monsieur, ça a été honoré bon Dieu. Il était préféré mourir. Mais, et vous-même, songez-moi d'où? Automatiquement, que moi avoir fait une conscience de bagarre ça. Ça peut arriver encore? Satan peut faire ça. Pas le testo. Pour le si c'est vrai, sous là vraiment vrai. Il peut se connaître s'il a compté sur vous, ou bien s'il peut dire tout bon vrai. Je ne sais pas, il va le tester ou le s'il a compté ça. Tesla vini, songez ça. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, qui sont sortis Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ça, je tiens mal à venir. Comme si il m'a couru rapidement, dit monsieur, pas. Comme si pas Vlado Satya, non, mais oua, il attaque personnellement. Si vous faites tout ça, monsieur, il attaque personnellement, oua. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Songez, si monsieur Sao était d'accord pour adorer les dieux de Babylone, il n'y a pas de problème pour adorer Jéhovah Dieu tout. Mais quand vous comprenez, quand vous adorez, bon, tu n'as tout, mais tu n'as pas adoré, pas nous, il n'y a pas de problème. Mais c'est compromis qu'il a cherché dans le monde. Donc songez ça, compromis ça, qu'on a parlé dans la semaine, dans le mois. On va compromis, on a travail. On fait face à cette situation ça, quand même, monsieur. Imaginez qui va le faire. Il y a quelqu'un même qui est capable de parler en position pour ne pas dire job, non? Ou bien faire job là, ou bien renier bon Dieu. Ça va faire. Bon, j'ai préparé pour lui depuis qu'on y a. Pour qu'on ait, est-ce que vous vraiment dans la foi? Est-ce que vous vraiment là? Parce que le choix, ça va pas facile. Et les revenus, c'est pas pour bon Dieu qu'on a, non? Bon Dieu qu'on a déjà. C'est pour même pour ne pas être menti. Pour qu'on ait dans qui cancoyer, pour si ou mal campé, pour bon Dieu, bonne opportunité, pour qu'on puisse repentir. Verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux,
donna l'ordre qu'on amène à Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole. Il leur dit, est-ce de propos délibéré, ou bien est-ce que c'est exprès nous fait, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Songez dans le chapitre 2, roi de dit, c'est bon Dieu, monsieur Sao, qui le Dieu des dieux, bah oui. Ça veut dire, il n'y a pas de quoi vraiment, oui. Si qu'on y a la main de monsieur pour monsieur adorer Dieu parlant, il n'y a pas de quoi ça vraiment, oui. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ouais. Songez, chapitre 2, il dit que bon Dieu, monsieur, c'est le Dieu des dieux, oui. Est-ce qu'il était quoi vraiment vrai? Non, il n'est pas quoi vraiment vrai. Et pourtant, bon Dieu était pour elle. Rêve qu'il parle même songer, bon Dieu était fait Daniel Dill, qui rêve lié et qui signification. Il était tellement étonné, il était un bagage extraordinaire. Il dit c'est bon Dieu, non, bon Dieu. Mais c'est une connaissance intellectuelle. C'est un bagage qui dépénétrait que vraiment vrai. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous comprenez ça? Parce que je connais ça, fait déjà. Et ça fait bon Dieu, mais tout le monde là. Moi, je m'avoue non là pour ça. La préparer nous ça. Le moment venu, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ah oui? Nous avons choix non déjà. Nous connaissons ça, nous avons fait. En plus, nous même connaissons. Nous connaissons, nous avons dit bon Dieu, ok, je vais perdre la vie, je observe, ou bien si nous avons fait lâche. Je préfère perdre le job, là, Seigneur. M'observer au tout bon, oui. Choix nous qui est en fait. Donc, bon Dieu a préparé là pour ça, même je me suis dit que tu as préparé pour ça. Verset 17. Voici. Et ça, c'est un extraordinaire. C'est un verset plus extraordinaire que nous avons là, verset 17 et 18 dans la Bible, qui c'est une preuve de foi extraordinaire. 17, là, dis-nous qui ça. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, roi. En d'autres termes, bon Dieu est capable, et nous croyons qu'il a fait ça. Et pourtant, il y a qui te porte pour souveraineté, bon Dieu, dans verset 18 là. Parce que l'aime prier, et pas bon Dieu m'a bail l'ordre. Par contre, c'est comprendre. Bon Dieu dit me prier et croire que moi, c'est pas là. Je crois que moi, c'est pas même dans tout. Je quitte porte pour la souveraineté de Dieu. Si bon Dieu a l'autre plan, moi, je veux soumettre moi en bas plan par là. Moi, je connais le capable, je connais le même. Si je connais la bonne manger, si je connais le job, je connais le capable job. Mais à l'école, je connais le capable. Payer l'école, je connais le capable. À l'étudier côté que je voulais. En même temps, je quitte espace. Si Jean pour la vie m'honorer, si au cap pour le voyer, si au caille pour le voyer, ou bien n'importe quoi pour le voyer, je suis flexible. Même moi-même, je suis bagage que je demande. Je comprends. Et ça, c'est un bagage extraordinaire. Il y a une foi. En même temps, je connais un bon Dieu souverain. Vous préférez plan bon Dieu pour la vie ou que ça vous-même vous demandez bon Dieu. Donc, il faut que vous dites verset 18 là. Sinon, que ne pas délivrer, que bon Dieu ne pas délivrer nous, sachez que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça, le thème, nous plutôt perdre la vie, non, même pas pour nier bon Dieu que nous avons servi. Parce que nous connaissons qui Dieu que lié. Nous connaissons que, je nous dis, c'est compromission, c'est compromis, oui. Venez là, mais c'est choix, son choix difficile là. Perdre la vie ou perdre carrière, comme si quel soit ça n'est que faire là, il y a un problème parce que bon, vous perdez la vie ou perdez tout. Il y a des cas de job, tout là, il y a quelques gros job, mais là c'est la vie ou même qui est en danger. Et pas même perdre la vie ou même un dossier qui ça un petit job, tu es capable de faire. Satan a venu sous dans semaine ça, non, moi ça, moi dis non, ça, oui, là, oui, pas de problème. Jésus, me connaît Jésus tout, mon n'a pas de ça, oui. Pas Jésus, oui, mais vendredi, on connaît même Jésus ou pas, vendredi, les vendredis sont arrivés, c'est. Par contre, ça va le là, oui. C'est là pour aller, c'est ça nous fait. On dit, mon côté la Bible dit pour pas aller ça. Par contre, ça le lien, oui. Ou même, on connaît. Pour comprendre. Côté la Bible dit pour ne pas là. Côté la Bible dit. Non, ça va gagner contre la Bible. C'est un pile logique qui peut le faire pour capable bien, pour capable compromettre foi chrétienne, non. La Bible de Jésus-Christ est. Impédicité, Jésus-Christ c'est drogue, Jésus-Christ c'est tel type de musique. Et mélanger tel type de film, toute qualité bagage ça, il y a venu. Depuis qu'on y a bon Dieu voulait pour analyser tout pour qu'on ait côté coyer.
analyser vieux pour qu'on ait côté coyer par rapport avec choix ça qui pourra venir devant. Il y a un peu de monde qui même peut parler de Jésus-Christ, non, c'est des milieux côté arrivé. Il y a peur pour ça va tourner mal. Qu'est-ce que ça va pas de Jésus-Christ? Il y a un monde dans l'exemple qui dit que mon côté il t'a parlé avec un groupe de monde. Et puis, mon Dieu dit seulement, mon connaît, on l'arrivé ou elle parle de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un monsieur qui parle de Jésus-Christ. Et puis, quand il y a comme si je suis un choix pour lui faire. Il ne peut pas juste entrer comme si n'importe qui, Jean, voyait monter pour l'autre sujet à parler, mais à parler de Jésus-Christ, nous sommes fous. Je ne sais pas si tu comprends. Mais le bon Dieu a rangé porte pour vous, pour ranger plateforme pour vous témoigner. Est-ce que vous avez bien courage pour faire ça? Donc, il était fait choix. Il ne peut pas répondre, monsieur. Parce qu'il dit qu'il est en train de faire choix. Choix, le bon Dieu ouvre porte l'envolée, la parler de Jésus-Christ. Quelle que soit sa conséquence que ça est capable de gagner pour lui-même. Nebuchadnezzar, comme nous dit, il a une connaissance intellectuelle de bon Dieu. Mais il ne peut pas soumettre en bas volonté de bon Dieu. Gagnon, frère le William Bouffe, c'est lui-même qui est fondateur, ça nous relève l'armée du salut. Pas comme si on est armée du salut, mais il y a une présidence en Haïti. C'est un pile aide, il y a collecté un pile bagage dans le bon entier et il y a porté un monde qui est dans la nécessité dans notre pays. C'est un gros ONG que le Vintoné connaît. Mais c'est monsieur ça qui était fondé. Ça nous relève l'armée du salut. Il dit, la grandeur de l'homme se juge selon son niveau de soumission à Dieu. Et ça qui fait grandeur au monde. Il dit, c'est degré de soumission à bon Dieu. C'est qui j'en soumets tout à bon Dieu, à volonté bon Dieu. Et ça qui fait grandeur. Et dans le cas ça, Nebuchadnezzar va passer test là. Il va pas camper sur rien du tout. Mais monsieur, il a passé test là à 100%. Il est d'accord pour mourir pour bon Dieu parce qu'on est bon Dieu capable de délivrer ou même de fournaise là. Imaginez, il n'a pas parlé là même avant. Nous, on ne va pas même faire choix sur tellement même. Vous comprenez? Fournaise, nous, il n'y a pas de fournaise là. Même si il n'y a pas de pénitentiaire là, il y a un pile tête nec qui est dans le show là. Je n'ai pas besoin de fournaise là. Parce que l'homme, ça a passé dans le pénitentiaire. Ou pas là, on va être quoi, mauvais? Pas fait gros nec, personnellement. Relax. Bah, tu parles douce pour calmer fureur. Pour on n'est pas fait, ou elle tomber là. Ou pas voulu tomber là. Relax. Verset 19. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous comprenez ce qui s'est passé là? C'est mauvais esprit qui est rentré sur lui là. Un peu, il ne faut pas réaliser ça. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Mon compte dit que je me dis ça. Je connais la machine là. Quand vous avez des mouches qui entrent dans la machine, les mouches ne sont pas sorties. Ou à courir, et puis c'est dans la tête pour le rester. Les nuits, on avez juste prié, je chasse le nom du Seigneur. Je me dis, mouche, ça n'a pas foutu, pas grand débat là-dedans. Ou quand vous avez son jouet, vous avez des mouches, ça n'a pas fait accident. Et puis, il faut un bon bain, nous prenons comme son jouet. Mais pendant que c'est à dépendre de qui regarde quoi, regardez. Satan, mais écoute, bon bain, comme jouet, oui, oui. Et lui-même, il n'a pas joué lui-même. Il n'a pas joué. Comme nous avons dit l'église là, nous avons dit, même là, nous avons joué, nous pas. Nous pas dans jouet. Même là, nous avons joué, nous pas dans jouet. Pour que ça, c'est tout ça qu'on a fait, nous focus sur l'essentiel. Nous sauver, nous sanctifier. Même là, où nous avons joué là, parce que nous avons joué, pour jouer là, nous pas jouer. Pas le bel jouet là. Parce que nous avons rangé, écran bien rangé, pour être clair, pour être gros. Pour que ça, parce que en jouet, ça pas le gagner en jouet, sport. Ça pas le gagner. Comme dit monde, c'est un bel jouet, pas vrai? Et que là, nous voulons sanctuaire là, qu'on y a, comme si son stade était, ben, mettez grand écran, les deux bords, pour tout le monde vienne là. Parce que c'est jeune à jouer. Et n'a pas eu cola tout, dans mi-temps. Parce que nous ne voulons pas quitter mi-temps. Et c'est le mi-temps, et 15 minutes, ça qui pas nous à nous-mêmes. Faut nous quitter au chita. Il y a que ça, c'est parce que nous aimons jouer à langue ça. Même la dame jouer, nous pas. Nous pas dans jouer. Donc, songez ça. Monsieur qui est possédé par démon là. Des mots rentrés là-dedans, monsieur. Même si tout le monde a parlé, à pile fois, on n'a pas réalisé ça. Des mots qui rentrés dans le monde. Pour nous battre avant, pour le battre, pour le ceci, pour le cela de bord. Ou même, on peut se montrer même plus fort pour le battre avec des mots. Bon, tu peux voir, faire ça. Une parole douce, nous dit calme la fureur. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Et de les jeter dans la fournaise à bon, on a des fois, mon dame fait des utiliser force excessive, comme si plus force que normal. Imaginez, monsieur, nèg bien docile, il y a un soldat qui est plus gros nèg. Il n'y a pas même besoin. Il n'y a pas de petit frélique qui est de prendre nèg qui est à côté de Mario. Il y a vrai?
Comme il dit, on parle en pile pour grand merci. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, à toute bagage sur eux, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Besoin de nous. Moun kal jete yo mouri, tellement chaud. Bon, c'est des problèmes que dans la vie. Hein. Tête nous connaissons vraiment, hein, bah oui. Mais qui est-ce pour remettre les ça? Monsieur Tretar, mais problème n'a pas le Seigneur déjà. Il n'y a pas chaud. Monde l'an chaud toujours. Monde l'an kap mette dans chaleur, monde l'an gèdan mouri. Il n'y a pas dans chaud même. Avec Seigneur, c'est la paix. Et il dit non, verset 23, bah oui. Et ces hommes, ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés. L'important, il fait de ça. Tombèrent comment? Liés. Parce que qui n'est pas sorti? Est-ce qu'il y a lié, il y a sorti? Non. Qui ça a dit fait un bras boule dans monsieur? Juste code qui m'a réveillé seulement. Mais on ne se comprend pas, non? Bon, c'est des têtes chômées à voir pendant la rien, et bien oublier ces perspectives monde-là qui entrent dans nous-mêmes. Par contre, c'est réalisé, c'est qu'il y a deux perspectives, ah ouais? Il y a deux façons pour réveiller. C'est Jean Mondelan, il y a tête nous chaud, c'est et bon Dieu là, on a différent pour ça. Juste pour lui libérer. C'est lien, lien, comme si c'est code qui m'a haut, que j'ai besoin de brûler seulement. Verset 24, pas vrai? Ils tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors le roi, Nebuchadnezzar, fut effrayé. Là, il y a un homme dormi, il va boire tout bas là, même monsieur qui est là, il y a un fournaise là, tout bas, il y a fini, ou il dormi dans la cabane, il y a un dormi, tout va finir à dormir, mais on va pas dormir. Pour ça, les petits bon Dieu n'ont problème. Et bon Dieu, lui, il va jamais dormir. Moun qui pour, moun qui n'a pas témoigné grand de bon Dieu, faut qu'il y ait inquiété lui-même. Faut qu'il y ait là, faut qu'il y ait témoin. C'est pour ça, bon Dieu, voyons là. Il dit au verset 24, alors le roi, Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Qui ça du feu été brûlé? Qui ça? Côte de seulement. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième, combien de monde qui était jeté? Trois. Combien, ouais? Quatre. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Qui est-ce qui est là d'après nous-mêmes? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ça nous relève théophanie. Apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Théophanie. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteur du quoi? L'étonnant encore. Puis devant la poisson, c'était tout bon ou bien c'est une connaissance intellectuelle de jour. Et qu'il y a connaissance intellectuelle de jour. Et c'est ça lié là. Connaissance dans la tête. Mais pourquoi pénétrer le cœur? En plus, on a répété ça. 12 janvier, en pile ici après les Jésus qui ça. Sauvé. Il reconnaît Jésus qui s'est sauveur. Mais est-ce que son parole sort dans le cœur? Non. Majorité de ça, tourne dans la même activité après ça encore. C'est même ça qu'on a appelé là. En plus, nous avons une histoire qui a lié là depuis longtemps, qu'elle finit, c'est l'histoire qu'on a vécu. C'est même histoire qu'on a vécu toujours. Même histoire que nous vivons, même bagaille là. Verset 26 que nous témoins pour 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ou pas même qu'à vous avez cherché. Songez, vous avez lagué, vous avez arrivé. Vous avez mouru, vous avez mouru, vous avez mouru, vous avez mouru encore. Il a mouru, mais monsieur qui a sorti eux-mêmes. Il n'y a pas de lien eux-mêmes. Parce que bon Dieu qui contrôle tout le bagage. En plus, on a fait une blague comme ça. On a fait une connerie de l'autre. On a fait une connerie encore. On a dit ça. On a dit que il y a un bon monde qui fait une pile folie pour partir. Un pile folie, ça a un visa. Pour faire un pile faux papier, un pile magouille. Si bon Dieu veut aller dans n'importe quel pays dans le monde, bon Dieu ne peut pas aller pour un lago là. Il n'y a pas de lien possible, non? Mais moi, avoir une reconnaissance intellectuelle de bagage ça. Il va vraiment pénétrer là. L'air pénétrer là, ça va fait. Il y a des fêtes. Ça que nous voyons, il y a des fêtes. Tout bagarre fait. Verset
27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints, même sans du feu baguen. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu quoi? Confiance, il y a la foi, confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ça, c'est gros affaire, capté là. Songez qui m'a capté moi là, ça? C'est monde là, capté moi. Imaginez le monde là, capté moi, qui m'a capté moi. Il y a un jeune garçon qui n'est pas convenu ici, mais il y a un frère qui est ici. Et puis, frère là, capté moi, que j'ai tout quartier côté là habité et tout quartier qui a témoigné. Monsieur son serviteur, bon Dieu, que lui. Tout le monde a aimé pour petit, même j'ai avec monsieur. Ni monde qui a l'église, monde qui parle, il y a tout lui. Il reconnaît que jeune garçon ça son serviteur bon Dieu. Et tout ta mère petit c'est même gens que lui. C'est un gros témoignage. Laissez monde là cap témoigner de foi non. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'a pas dit cause de ça déjà. Dans le chapitre 1, il était dit déjà. Ça veut dire c'est causé à l'oral. Yahweh? Causé à l'oral. Verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On connaît l'autre aspect, aspect la foi. Ça ne va pas parler plus de lui. Il est clair que monsieur te fait preuve de foi extraordinaire. Et bon Dieu prêt pour honorer tout le monde là dans la salle qui veut faire même preuve de foi ça dans ces circonstances la vie en même genre. La Bible dit nous Dieu ne fait point exception de personne. Et il dit nous c'est le même, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même genre pareillement. Mais quand on a des bagages là, il y a une difficulté pour nous là encore. Mais pour ça, bon Dieu même qui était difficile ça arrive peuplé. Pour ça, bon Dieu qui était problème qu'on a dans l'arrivée. Je ne sais pas si c'est une grosse question. Parce que tout le monde on le dans la vie où vous êtes de question ça. Vous avez une question de question ça. Seigneur, mais pourquoi ça? Pour qui? Si vous dépensez. Et parce que connaissance là deux jours, si vous dépensez, tu as pensé de la souveraineté de Dieu. On va dire, bon Dieu, mais pour qui? On pose la question, bon souverain. Je ne sais pas. Même poser la question, c'est un problème lié au moins déjà. Parce que je ne peux pas questionner la bonté de Dieu. Maintenant la chaîne nous fait ah oui nous fait de temps Seigneur pour qui ça mais fait nous promesse Esaïe 43 verset 2 il dit non si tu traverses les eaux je serai avec toi sans garder il pas dit que pas jamais traverser de l'eau non mais de l'eau traverser moi là avant ensuite et les fleuves ils ne te submergeront point ou pas noyer si tu marches dans quoi dans le feu tu ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que l'idée exécutée pour mettre ça pour tu monsieur? Oui. Est-ce que le remède au plus passé? Non. Il va remède au plus. Bon Dieu, mais nous tous, même gens. Peuple, bon Dieu, c'est les juifs. Bah oui, bon Dieu, prend pour te faire jouer un rôle pour nous-mêmes. Son rôle que je veux pour nous comprendre qui j'ai bon Dieu servi avec monde qui c'est petit, les monde qui c'est peuple. Donc, son rôle que vous jouez. Et bien ça, il a représenté ça que tu as fait là, wall ça, pendant que vous avez joué, sont passés dans l'histoire. Mais songez que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est plus persécuté que tout le peuple dans le monde. Vous avez ça? Je dis, je me fais un petit temps, je ne vais pas mettre un message là, même un petit temps, mal regarder l'histoire d'Israël. Mal l'internet, je me suis tapé, persécution des juifs. Pile bagaille monté, un pile livre monté, un pile. Je lis un paquet, je lis plus que des résumés. En l'antel bagaille, monsieur de feu, en l'antel. Chaque époque, on persécution pour Juifio. Je connais ça. Moi, je lis tout dans l'histoire.
dans tout pays yo persécuté yo ba tout net ça yo fait en Espagne ça que fait en France ça que fait en Angleterre ça que te fait en Allemagne ça yo fait en Amérique ou tout bagage c'est problème toute la vie peuple Israël c'est problème mon connaît qui ça que moi tout dans tout pays ça yo que aller yo c'est monde qui plus riche là dedans tout ma grande se comprendre non Satan li acharné contre eux même parce que c'est eux même qui gagne la Bible dans main yo c'est eux côté Bible là nous donc Satan acharné contre eux même mais même dans tout bon Dieu toujours béni yo même chez maman bon Dieu pas dit nous pas de difficulté parce que nous non guerre spirituelle nous non monde déchu nous non pays sous-développé bon Dieu parle prendre lui dit donc tu me font en Haïti pour les chrétiens m'a font en Haïti pour monde qui pas chrétien bon nous tout là. Mais bon Dieu pour mettre nous dans problème dans la difficulté qui ça là là avec nous dans du feu li là dans problème là dans fleuve là là dans pas payer caille là dans maladie li là dans toute bagaille là son pays problème lié li là avec nous mais pas pour mettre nous que nous pas jamais gè problème yo mais là avec nous 1 Corinthiens 10 on dit non ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Gagnons quelques prophéties la Bible qui va le dégager le nous venons Apocalypse dans verset pied devant eux mais n'a font le sur rapide. N'a prend deux Zami Daniel yo, yo représenter ça qui va arriver dans période tribulation. Songez que dans tout événement qui pour arriver dans la vie de l'histoire de l'église, dans l'histoire de l'église, événement cap que n'a tant là c'est fête Israël de confeter que les fêtes des trompettes. Le trompette la sonné pour l'église enlever. Et ça qu'on attend là. Si l'église enlever à soir, ça va passer tout de suite après. Tribulation. 7 ans de tribulation dans le monde. Et c'est ça que M. Sarah a caractérisé là. Bon Dieu, dans la tribulation, tout le monde qui parle faire la paix avec elle, qui parle de prendre la marque de la bête, bon Dieu va faire dans la tribulation ça. Et bon Dieu montre, lui montre ça avec M. Sarah. Il est avec les Juifs. Il est avec Israël. Dans tout problème, toute difficulté. Et Israël spirituel, qui c'est l'église, li, bon Dieu, a pas fait auto, même dans l'époque tribulation. Même Jacques Noël, petit monsieur Saola. Parle gagnant, ça nous dit, nous t'ai parlé un peu de ça dimanche. Parle gagnant poussé, ça nous dit, les mouvements œcuméniques dans le monde. Parfois, un mélange, un brassage. Même Jacques Noël, il est là. Nous, mais servir Dieu, nous voulons, mais depuis nous servir Dieu, ça, nous tenons fort. Mais ça, qu'un antichrist n'a pas le faire. Il parle réunir toute religion. Les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, les... tout le monde réunis ensemble, nous n'avons pas besoin de problème. Tout le monde qui est bon Dieu, mais il faut adorer toi-même. Et ça, comment c'était là? Nous mettons que bon Dieu, non, mais adorer statue en or, ça. Et c'est ça que dans cette tribulation qui va le faire. Mais juifs, ils vont résister. Juifs, ils ne peuvent pas adorer lui-même. Ils ne peuvent pas d'accord. Parce que Dieu, juif, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Et nous parlons dans Romain, là nous venons. Apocalypse dans le chapitre ça, on a passé sur le chapitre dans Romain, qui va dire non, et tout Israël sera quoi? Sera sauvé, là, ça. Parce que Dieu va l'ouvrir. Il ne va pas vouloir adorer bête là. Il ne va pas vouloir adorer statue non, que nous jouons dans Daniel là, qui antéchrist là, représenté. Il ne va pas adorer. Et bon Dieu a lavé, et bon Dieu a sauvé autour de misère. Deuxièmement, nous avons commencé, il y a un chiffre qui va parler au fur et à mesure dans la Bible. C'est 666. 6 en général, c'est chiffre d'homme. 7, c'est 6. Amen. 7, lui-même, c'est perfection. C'est chiffre de Dieu. Mais après, comme c'est paraître là déjà, dans statut ça. 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Et puis au fur et à mesure, 6 ça a dégagé. 60, là, 6, 66, 666. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, prophétie au temps apparaît pour nous-mêmes là déjà. Mais nous te posons un problème, une question, on essaie de répondre. Moi, je fais passer en l'air de. Ça, c'est un message que je me tendais que je m'apprêtais à prêcher pour là dans 5 minutes. Je pense que je me prêcher sur ça en l'air. Et le message a été frappé, mais je ne vais pas me dire ça. Je dis, en plus de fois, on ne va pas réaliser pour que ça, bon Dieu, qui était souffrance, rentrer dans la vie chrétienne. Je dis, ben, plusieurs points. Premier point, je dis, parce que le monde là a observé, non. C'est observation. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le Paul est arrivé sur l'île de Malte. Songez les bateaux en fait naufrage dans Actes des Apôtres, chapitre 27, je crois. Et puis, le monsieur travaille, prend tout un bois pour faire du feu. On couleuvre, ça n'a pas enragé. On couleuvre venimeux. Et puis, qui ça? Il pique Paul. Tout le monde attend pour Paul venir enfler, pour le tomber, pour le mourir. Le monde là, après ça, là, observer.
Qui réaction Paul? Est-ce que Paul dit, oh Seigneur, vous êtes que démourir, j'allais m'abservir, et d'un volant ton Paul ne fait pas ça, hein? Non, mais tu dis, secouer, couleur, là, la gueule à terre. L'icône qui m'a dit, l'abservir. Pour ça, bon Dieu, tu es pour mettre l'île qui boit. Ah, ouais. Eh bien, bon Dieu, pour mettre ici, oui, amen. Relax, pas grand café, là. L'île a gagné couleur la terre. Là, ouais, monsieur, pas fait rien, il dit, et ouais, monsieur, pas mourir. Plusieurs un temps passé, il était mort déjà, monsieur a fait travailler les pyrènes. Il dit, ah, monsieur, sont qui ça? Ils sont Dieu. Bon monde là pour observer. Bon Dieu quitte les circonstances arrivées pour nous battre dans le sang. Le fournaise l'a chauffé. Le tête monde l'a chaud. Et puis monde là, vraiment voir que nous avons la peine encore. Non. Qui ça monde a besoin de ça? Il a besoin de la paix ça. Tout de suite, il a fait un grand réveil spirituel sur l'île de Malte. À cause de témoignages, Paul. Bon Dieu quitte les difficultés arrivées pour. Bon Dieu lui-même, objectif c'est de nous sauver. Ah ouais. C'est de nous sauver. Quels que soient les moyens. Nous n'avons pas. Bon Dieu gagne déjà. Au moins, moi, je souhaite ça que bon Dieu gagne bon déjà. Mais quand y a, si bon Dieu a utilisé nous, quoi, vous voulez dire, nous n'avons sauvé déjà. Qu'a utilisé quoi pour sauver les autres? Qui s'est boulé pour boulé la boulé? Vous comprenez ça? Si c'est pour le quitter, le racheter, le faire bout. Mais où sauver déjà? Bon, monde là pour observer. Bon Dieu, quittons ce bagage arrivé, non pour le monde, là, capable de prendre le sang de ça. Deuxièmement, il dit que, pour ça, nous dire, c'est observation, le monde, là, a observé, non, son témoignage que lié pour le monde, là. Deuxièmement, il dit, c'est destination. En plus, fois, bon Dieu, quitte le problème, il est arrivé pour changer côté, non, pour aller. Hein. En plus, fois, moi, avoir, nous, perdu, bon Dieu, nous sommes en rail, mais plein de gens pour la vie, après, nous faisons, pas vrai, non, même ça, nous faisons coup de guidon, bah, il est belle, là, nous avons tout calé. Mais bon Dieu, dit, mais c'est ça, mais toi, bon Dieu, pas l'avoir, pas attendre. Bon Dieu, quittez le problème d'arriver. Le problème d'arriver, ça gagne, qu'on y a. Ou qu'attendez, qu'on y a. De vous, un problème, pour vous faire, c'est la brière, oui. Qu'on y a un contact à bon Dieu, on communique à bon Dieu. Mais bon Dieu, qu'il n'y a pas l'avoir, qu'on y a, pour montrer, non, je veux aller là. C'est là, je veux aller. Et destination, bon Dieu, a changé, qu'on peut aller. Et troisièmement, c'est identification. Identification dans le sens que, pour qu'on identifie, pour qu'on compatit un problème à l'autre monde. Si la vie en rose pour toute la journée, là, il y a un monde qui explique un problème. Vous avez mal pour comprendre. Vous avez mal pour comprendre. Mais comment est-ce que vous avez vu? L'homme a parlé de lui, vous connaissez exactement ce qu'on a dit. Il y a un pasteur d'Aptané qui, bon, c'est lui-même qui prie le message, ça, tout, mais ça, il dit, c'est dans l'autre message. Il perdit madame ni pendant 20 ans. Il est marié. Il est dans 20 ans et il perdit madame ni. Son mari qui dit mal pour lui en pile, qui était dur pour lui en pile. Le pasteur, l'église a grandi, tout le monde a marché, puis poum, madame, il faut accéder à la machine, et puis il mourit. Et puis, disons, il rencontre une dame qui était criée. Il m'a dit, dame, ça va bien. Dame, dit que, je ne pas un monde que garçon, jamais dit, ça va bien pour vous. Excepté une seule fois dans la vie, ça va arriver. Ça va jamais arriver encore. Il dit, le ça, jeune garçon, ça va te venir à ma veine, il m'a demandé de me marier. Le nous parle l'église, là, qu'on y a pas mal fait répétition, qui j'aime pas le marché. Mon accident sur route là. Machine moi pas calé, l'aime camper me garder ça gain, puis qui monde mort en accident, qui perdit la ville, c'est fiancé moi. Et il dit après ça, avant ça, pas jambe connait qui jambe dit rien. Après ça, pas jambe connait qui jambe dit rien encore. Moi connais pasteur le fait que le perdit madame ni. Qu'on y aller qu'à comprendre douleur ça. Il t'est parlé avec elle. Il te dit moi-même de perdit madame moi. Très jeune et puis comme ça parler il comprend ni on connaît dans la conversation dame ça a accepté le Seigneur pour ça parce que bon Dieu met ton monde sur route qui t'est passé tout bon Dieu plus fois lui qui t'est passé dans ces circonstances et pour qu'on comprenne oui même que témoignage dans vie m'a pas venir sur les assurances pas dans ça même quelque bagarre dans vie que bon Dieu fait expérience là moi pour ça que bon Dieu fait me faire bon Dieu quitter nous ça pour capable identifier nous avec l'autre monde qui dans situation ça et enfin, c'est pour libérer nous et faire des révélations extraordinaires. Libérer dans quel sens? Le monsieur de la fournaise, là, ça seulement qui est brûlé, c'est de qui ça encore? Ça code qui démarre, oui. Si conscience à Babylone, pas changer, non? Si monsieur ça n'a pas de point du feu, ça. Quand il y a moins sûr, après ça, on va demander des gens obligés à adorer statue là encore, non? Mais quand tu comprends? Gobben juif là qu'on y a comme si j'étais mêlé, j'étais dans trois rois là qu'on y a. Ouais, dit tout le monde obligé adorer statue. Mais monsieur ça prend du feu fournaise là pour bon Dieu non seulement qu'à libérer, mais pour qu'à libérer tout le juif. La paix, tout le bagage fini qu'on y a.
Bon Dieu, libérez. Et non seulement ça, bon Dieu, faire des révélations extraordinaires. Si vous n'avez pas passé dans la fournaise, vous n'avez pas capable de jamais ouais, manifestation de Jésus-Christ, Jacques et Otéouel. Dans la fournaise, vous avez dans la fournaise, vous avez un quatrième monde. Oui? Qui est-ce qu'elle dit? Jésus-Christ. Si vous n'avez pas là, il va faire expérience ça. C'est une expérience extraordinaire. Donc, foi, vous faire expérience là, mais expérience, vous avez encore plus de foi qu'on y a. Pour faire de plus grandes choses pour mon Dieu. En belle fois, mon Dieu qui était passé dans ces circonstances là, pour mon Dieu capable d'affirmer foi. Puis devant qu'on y a, vous capable utile plus. Voyons mon Dieu, à cause de circonstances qui passent. Donc, pas jamais questionner la bonté de Dieu. Bon Dieu qui te bagaille pour une raison, à ne pas questionner. Amen. Notre Père Céleste, nous merci pour parole. Nous connaissons que souverain, vous faites sauver, chancouvler. Nous ne pouvons pas questionner la bonté. Nous connaissons que dans le pays, qui est pays que nous vivons là, un pays se développé, et dans le monde déchu, nous connaissons grand pile problème. Et puis, ce grand pile problème, et nous, c'est, ils ont échappé. Pardon, il y a un échantillon de monde qui est en Haïti, qui là, dans cette salle-là. Et dans l'échantillon, ça, toute qualité de problème qui est dans le pays, il y a représenté là, qu'on y a. Et de nos Seigneurs, pour ne pas questionner la bonté ou dans les circonstances que nous avons fait face. Parce que Seigneur, on va préparer nous pour un bagage qui est plus extraordinaire. Nous ne voulons pas questionner la bonté, mais nous voulons apprendre de ces circonstances. Nous voulons, Seigneur, faire face à ces circonstances avec un pile foi, même avec monsieur. Pour ne pas renier, pour ne pas dénier, pour nous, Seigneur, faire confiance qu'on a délivré nous. Et même si on va délivrer nous, même si on ne va pas dire la vie nous dans ces circonstances-là, on a continué à servir au pire. C'est modèle ça que nous avons à soi. Et c'est ça qu'on veut pour la vie nous. On a vu dans un pays qui a un pile compromis. Dans un pays, Seigneur, qui a un pile, Seigneur, tentation pour nous faire ça qui passe ça. Nous prions, Seigneur, on va utiliser ces circonstances dans la vie nous. Seigneur, pour. Aidez-nous pour nous comprendre, aidez-nous pour nous faire confiance, aidez-nous pour nous libérer nous de liens qui marient nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous identifier nous à problème de l'autre monde, pour nous capables de compatir à faiblesse, à tracas, à misère. Yo. Pour nous capables, Seigneur, venir changer destinée nous. Côté que nous avons parlé, que Pierre nous a mené nous, qu'on ne peut pas voir nous pour changer plan, pour mettre nous sur rail, côté qu'on veut nous. Pour va, Seigneur, non seulement fin faire tout bagage ça pour libérer nous, mais on va faire nous des révélations extraordinaires parce que nous avons en communion avec nous, nos dimensions que nous ne pouvons jamais. Mais nous connaissons tout ça que nous avons dit, c'est pour les gens qui sont petits, les gens qui font la paix avec nous. Si nous sommes dans ce moment, ça, Seigneur, qui veut faire la paix avec nous, nous connaissons que c'est l'Esprit qui a parlé avec nous, a convaincu de péché, de justice, de jugement. A dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est pour nous, Seigneur, que pas de monde qui a quitté la salle ça, à soi, sans que pas prier dans le cœur. Pour admettre, oui Seigneur, nous sommes des pécheurs. Oui Seigneur, nous avons besoin de présence, nous avons besoin en relation avec nous, nous avons besoin de communion avec nous. Oui Seigneur, nous croyons qu'on devine payer d'être péché nous à la croix. Ou t'es mouru pour te payer d'être péché nous. Et ou t'es ressuscité le troisième jour pour battre la vie qui n'a jamais fini. C'est prier nos Seigneur. Et nous prions, Seigneur, dans un moment ça, on va poser main sur le problème chaque monde là, individuellement, Seigneur. Et on va faire provision pour nous-mêmes. On va, Seigneur, mettez-nous sous protection spéciale côté de M. Sao dans la fournaise ardente là. On va, Seigneur, bénir nous abondamment et on va guérir nous. Nous nous merci, nous prions dans notre petit de Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen.